Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je ne vous présente pas un livre car aujourd'hui, c'est une revue d'actualité exceptionnelle consacrée aux Gilets jaunes. Si vous cherchez la revue d'actualité d'octobre-novembre 2018, je mets le lien dans la description. Dans cette revue-ci, dans cette vidéo-ci, on ne parle que des Gilets jaunes. Alors, la première étape de toute réflexion sur un événement comme celui-là, naturellement, c'est de se poser la question de la nature de l'événement. À quoi avons-nous affaire en réalité? Est-ce qu'il s'agit d'une véritable insurrection spontanée ou est-ce qu'il s'agit d'une révolution orange? À ce stade, il est trop tôt pour formuler des conclusions définitives, mais d'ores et déjà, nous pouvons comparer les caractéristiques des révolutions oranges avec ce à quoi nous assistons à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes. On va prendre ces caractéristiques une à une et on va regarder si on les retrouve dans l'insurrection jaune. Aides extérieures sous forme de soutien financier officiellement reconnus. En général, c'est le cas pour les révolutions oranges, avec des nuances. Le soutien est plus ou moins officiellement reconnu. En 2004, par exemple, Madeleine Albright avait officialisé le soutien financier à la révolution contre M. Kouchma en Ukraine. Pour l'instant, on n'a rien de tel concernant l'insurrection jaune en France. Approbation explicite par des puissances étrangères. C'est en général présent dans le cas des révolutions oranges, avec une approbation des USA et le plus souvent de l'Union européenne. C'est présent aussi dans le cas de l'insurrection jaune, avec l'approbation de Donald Trump. La révolte, dans le cas des révolutions oranges, a très souvent été soutenue par le candidat perdant aux dernières élections majeures. C'est le cas avec l'insurrection jaune, puisque Marine Le Pen soutient les Gilets jaunes. La révolte, dans le cas des révolutions oranges, a souvent fait suite à une contestation des résultats électoraux. Ce n'est pas le cas dans le cas de l'insurrection jaune. En mai-juin 2017, bien que les conditions de l'élection d'Emmanuel Macron aient fait couler beaucoup d'encre, personne n'a formellement contesté la légalité de son élection. Dans le cas des révolutions oranges, la révolte initiale renvoyait souvent à une opposition territoriale métropole-campagne. En général, les révolutions oranges ont été des révolutions urbaines. Dans le cas de l'insurrection jaune, on retrouve bien cette opposition ville-campagne, mais elle est inversée, car l'insurrection jaune est d'abord une insurrection rurale, une insurrection également des petites villes. Dans le cas des révolutions oranges, les révoltes initiales ont souvent été teintées de régionalisme. Ce n'est pas le cas dans le cas de l'insurrection jaune. Toutes les régions françaises ont bougé à peu près au même rythme, pour autant qu'on puisse en juger à ce stade. Dans le cas des révolutions oranges, un marqueur très net, c'est l'action d'ONG étrangères spécialisées. Parmi ces ONG, on peut citer OTPOR, qui a joué un rôle clé dans la révolution serbe, Open Society Institute, une ONG de M. George Soros, qu'on ne présente pas, mais aussi, moins connu, le Konrad Adenauer Institute, qui est en quelque sorte le faux nez de la CIA en Allemagne, ainsi que la Fondation Carnegie, qui est un autre faux nez de la CIA. Pour l'instant, en ce qui concerne l'insurrection jaune, on n'a rien détecté de tel. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire que simplement, pour l'instant, on n'a pas détecté ce genre de choses. Les révolutions oranges, surtout les dernières, ont donné lieu à une coordination par les réseaux sociaux, avec un rôle particulier de Facebook. On retrouve cette caractéristique dans l'insurrection jaune. Les révolutions oranges ont souvent été accompagnées au niveau des réseaux sociaux par un usage massif de faux comptes basés à l'étranger. Ça a été le cas en Iran en 2009, en Libye en 2011. Pour l'instant, on n'a rien détecté de tel en France. Les révolutions oranges se sont souvent caractérisées par l'occupation permanente de places publiques avec un soutien financier aux manifestants. En effet, pour qu'une occupation puisse vraiment devenir permanente, il faut que les manifestants bénéficient d'un soutien financier, parce qu'il faut bien, n'est-ce pas, que les gens aient de quoi manger. On l'a vu très clairement en Ukraine avec la révolution du Maïdan. Pour l'instant, on ne voit rien de tel en France. Les révolutions oranges ont souvent été caractérisées par la recherche d'un affrontement théâtralisé avec les forces de l'ordre. On l'a vu par exemple en Ukraine en 2013. Ça, c'est une caractéristique qui est bien présente dans l'insurrection jaune actuellement en France. Enfin, les révolutions oranges ont parfois vu le dépôt, souvent préalable, de la marque emblématique du mouvement de contestation. Par exemple, la marque TAC Yushchenko en 2004 avait fait l'objet d'un dépôt. En France, il est à noter que le nom de domaine giletjaune.com a été déposé le 15 mai 2017, donc juste après l'élection d'Emmanuel Macron. Toutefois, un certain nombre d'indices font dire aux spécialistes qu'il s'agit d'une coïncidence, très probablement. Alors que déduire de cette comparaison? Eh bien, je vais vous dire en tout cas mon sentiment. Je pense que l'insurrection jaune n'est pas une révolution orange, qu'elle est très largement réellement un mouvement spontané, ce qui, cela étant, n'empêche pas que certaines forces, intérieures ou extérieures,
peuvent tenter de l'infiltrer, de la manipuler, et que certaines composantes de cette insurrection peuvent donc s'inscrire dans la logique des révolutions oranges, c'est-à-dire être en quelque sorte de fausses insurrections pilotées. Cela dit, le mouvement de fond, à la base, pour l'instant, je n'ai pas de raison de penser qu'il a été piloté. Pour l'instant, je pars du principe que, à la base, fondamentalement, c'est réellement une insurrection spontanée. Passons maintenant à la question des facteurs explicatifs de cette insurrection spontanée. Alors, ce qui frappe en premier lieu, c'est que pratiquement tous ceux qui en parlent cherchent en quelque sorte à tirer le phénomène de leur côté, du côté de leur tendance politique. Chacun voit midi à sa porte et, en disant qu'il voit midi à sa porte, essaye d'amener en quelque sorte le midi à sa porte. C'est pour ça que les types de gauche mettent en avant des causes sociales et les types de droite plutôt des causes identitaires. Bon, dans la réalité, je pense qu'il faut essayer de saisir un mouvement complexe qui n'est pas nécessairement un bloc homogène, qui est plutôt le résultat d'une juxtaposition et d'une combinaison de phénomènes distincts, mais qui cherche à s'unifier en tendant vers le même objectif symbolique de court terme, en gros, la démission d'Emmanuel Macron. Alors, si on essaye d'analyser les facteurs explicatifs de cette convergence de phénomènes distincts, je crois qu'on peut mettre en avant quatre grands types d'explications. En tout cas, c'est la synthèse qu'on peut faire des différents discours tenus par les différents acteurs, les différents analystes concernant cet événement. Premier type d'explication, l'ensauvagement de la société française, le fait qu'il n'est pas surprenant en quelque sorte qu'une société qui est déjà intrinsèquement violente soit contestée par un mouvement lui-même potentiellement violent. La société française est violente d'abord sur le plan socio-économique, c'est une société qui vit depuis des décennies avec un chômage élevé, un chômage de longue durée élevé, un chômage qui peut monter beaucoup plus haut que la moyenne nationale dans certaines zones. C'est une société violente aussi en termes sécuritaires. Il ne faut pas oublier que l'année qui précède l'insurrection des Gilets jaunes, on a assisté à une augmentation très significative du nombre de cambriolages et du nombre de violences gratuites. Et puis en arrière-plan, il faut se souvenir des émeutes de novembre 2005 dans les banlieues françaises, émeutes qui ont institutionnalisé en quelque sorte l'usage de la violence à des fins de revendications socio-économiques. On ne peut pas comprendre la réaction des zones rurales et des petites villes aujourd'hui par rapport à leurs difficultés économiques si on perd de vue qu'il y a 13 ans, les banlieues ont obtenu du pouvoir, des concessions économiques, après avoir déclenché une vague d'émeutes avec 20 000 voitures brûlées. Le message implicite qui a été passé en novembre 2005 par l'État, c'est si vous brûlez 20 000 bagnoles, ok, on va vous filer des subventions. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il fallait bien que tôt ou tard, une autre partie du pays, à son tour, se dise, ben, puisque les banlieues ont obtenu quelque chose en brûlant des voitures, moi aussi je vais obtenir quelque chose par une insurrection potentiellement violente. Et sous cet angle, il faut préciser que le mouvement des Gilets jaunes est en réalité étonnamment pacifique. D'autre part, la société française a été manifestement traumatisée par la violence symbolique révélée par les attitudes d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai été assez surpris, en fait, par les erreurs de communication de Macron, surtout ces derniers mois. Je dois avouer que sur ce plan, il m'a déçu. Quand Macron a été élu, je me suis dit en gros, bon, c'est parmi les quatre grands candidats celui qui me déplaisait le plus. C'est certainement quelqu'un qui va mener une politique que je détesterais. Mais au moins, il me semble que dans le strict plan de son domaine de compétences de politicien, il va être relativement compétent. C'est-à-dire que il saura bien gérer sa communication, il sera entouré d'énarques qui savent bien faire fonctionner la machine d'État, et à défaut d'avoir une politique bonne, au moins nous aurons une politique bien conduite sur le plan technique. Ça n'a même pas été le cas, ce qui est pour moi une déception d'une certaine façon, quoique en même temps, s'agissant d'une mauvaise politique, il vaut peut-être mieux qu'elle soit mal conduite, mais surtout une surprise.
Je ne m'y attendais pas, et je ne m'attendais pas en particulier aux erreurs de communication majeures d'un Emmanuel Macron venant en quelque sorte publiquement prendre de haut des gens qui lui expliquent qu'ils ont des problèmes socio-économiques. Sur le plan symbolique, il y a eu quelques attitudes de Macron ces derniers mois qui étaient d'une très grande violence. Et puis il y a en France une certaine violence répressive. Il y a eu l'affaire Benalla. L'affaire Benalla qui peut être vue comme quelque chose de relativement anecdotique en soi, mais qui est sans doute révélateur de la capacité de violence d'une classe dirigeante qui semble mue par un très grand mépris de classe. Et toute cette violence accumulée devait tôt ou tard se décharger dans un mouvement du type des Gilets jaunes. C'est certain. On ne peut pas se moquer du monde comme les macronistes l'ont fait depuis un an et demi sans que ça ait tôt ou tard des conséquences. Deuxième facteur explicatif, on a probablement atteint un point de rupture socio-économique. La situation économique de la France est assez simple. La croissance réelle est quasi nulle. La répartition des richesses est toujours plus inégalitaire. C'est un grand débat de savoir si le système dans lequel nous vivons aujourd'hui est encore un capitalisme, et si ce capitalisme, si tant est que ça en soit un, est encore vraiment libéral. En fait, la France est en train de cumuler les facteurs d'inégalité liés au libéralisme, qui s'imposent à nous à travers le libre-échange, et les facteurs d'inégalité liés au contraire à l'absence de libéralisme et à l'existence d'une société de rang qui continue à exister à travers les privilèges de la fonction publique et surtout de la haute fonction publique. Le résultat de ce cumul entre des facteurs exogènes libéraux inégalitaires et des facteurs endogènes étatiste inégalitaire, c'est que vous avez une croissance nulle et un gâteau donc qui ne croît pas et qui est réparti de façon toujours plus inégalitaire. Donc à un certain moment, ça devient difficile pour les gens qui sont pauvres. Facteur aggravant. Ce mécanisme a été, ces dernières années, auto-amplificateur, en particulier parce qu'il y a en France quelque chose qui n'est pas forcément à l'origine de tous nos problèmes, mais qui nous empêche de conduire les politiques qui pourraient commencer à traiter ces problèmes, et ce quelque chose, c'est l'union économique et monétaire, l'euro. Quand vous cumulez une croissance réelle quasi nulle et une répartition toujours plus inégalitaire des richesses, vous avez une baisse du pouvoir d'achat des classes moyennes et populaires. Donc vous avez mécaniquement une réduction de la propension à consommer, donc mécaniquement une réduction de la vitesse de circulation de la monnaie, donc vous avez une croissance réelle quasi nulle. Donc, à partir de là, ça veut dire que pour compenser quand même un minimum la répartition toujours plus inégalitaire, vous allez avoir obligation de faire de la dette, car à partir du moment où vous êtes dans l'euro, vous ne pouvez pas régler le problème par l'inflation. L'inflation est une méthode pour euthanasier la rente. Une inflation accompagnée au niveau des salaires et des retraites est un moyen d'euthanasier la rente. Quand vous êtes dans l'union économique et monétaire, vous ne pouvez pas le faire. Donc la répartition continue à être toujours plus inégalitaire et donc vous avez la baisse du pouvoir d'achat des classes moyennes et populaires et donc la réduction de la propension à consommer et donc la réduction de la vitesse de circulation de la monnaie et donc une croissance réelle quasi nulle et donc plus de dettes parce que vous êtes dans l'euro et donc etc., etc. C'est le mécanisme dans lequel la France est enfermée depuis au moins 20 ans, depuis l'établissement de l'Union économique et monétaire. Il semble que nous soyons arrivés maintenant au point de rupture qui a été atteint en Italie il y a quelques années, d'où l'arrivée au pouvoir en Italie d'une coalition populiste. Eh bien, ça y est, on y est en France, on y est un peu plus tôt que ce que je pensais personnellement, parce que si je regarde les données statistiques dont on dispose, la situation des classes populaires et moyennes inférieures françaises n'est pas encore suffisamment grave pour que les gens se disent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Mais soit l'appareillage statistique dont nous disposons est complètement truqué, auquel cas il y a pu y avoir une paupérisation plus grande que ce qu'on peut détecter, soit les normes ont changé. Alors là, je vais dire une chose qui ne va certainement pas me rendre populaire, mais j'ai l'habitude. Je suis désolé, mais il faut le dire clairement aux Français qui se plaignent aujourd'hui que les frigos soient vides. Je ne dis pas que vous n'avez pas de problème, les gars. Vous avez des problèmes. Je ne dis pas que vos fins de mois ne sont pas difficiles. Elles sont difficiles. Je ne dis pas que vous n'êtes pas victime d'injustice. Vous êtes victime d'injustice. Et compte tenu du traitement qui vous est infligé, il est parfaitement normal que vous ayez envie d'aller demander des comptes à Emmanuel Macron. C'est normal. Je ne critique absolument pas tout cela. Ce que je veux simplement dire, c'est que ne me dites pas que les frigos sont vides. Très majoritairement, vous n'êtes pas encore concerné par le phénomène de pauvreté absolue. Ici, il faut sans doute quand même essayer un petit peu de mettre les choses en perspective et de nous situer par rapport à la situation globale.
Parce que dans beaucoup de pays du monde, et en fait pour une grande partie de l'humanité aujourd'hui, la pauvreté, la vraie, ça commence quand t'as rien à bouffer de la journée. Donc il n'est tout simplement pas exact que les frigos soient vides en France. Ce n'est pas vrai. L'examen des témoignages des Gilets jaunes montre qu'il y a à peu près trois niveaux de difficultés économiques à l'intérieur du bloc des Gilets jaunes, et que d'ailleurs ces trois niveaux de difficultés économiques renvoient à trois niveaux d'engagement dans le mouvement. Il y a d'abord des gens, comme par exemple Madame Jacqueline Mourault, qui est une des personnes emblématiques de ce mouvement, qui ont des difficultés socio-économiques typiques de classe moyenne en risque de déclassement. Ça, ce sont des gens qui ont les moyens d'avoir une voiture d'un assez bon niveau, une voiture à peu près neuve, qui ont l'habitude d'un certain confort. Avec les taxes sur les carburants, ça fait un trou dans leur budget et ça peut vouloir dire éventuellement qu'ils risquent d'avoir à rouler moins, dans leur belle voiture. Bon, ça s'appelle un problème de classe moyenne moyenne, on va dire, en risque de déclassement. Ça s'appelle pas un frigo vide, hein. Ensuite, vous avez des gens qui ont des problèmes de classe moyenne inférieure en vraie difficulté économique. Ce sont les gens, en gros, qui vous expliquent qu'ils sont au SMIC et qui sont à découvert à partir du 15 du mois, parce que nous sommes dans des systèmes sociaux très mal conçus, où on impose aux gens la mobilité, on impose aux gens des loyers trop élevés ou des temps de parcours et des distances de véhicules beaucoup trop longues. Et donc, même si ces gens, en réalité, en termes absolus, sont très loin du frigo vide, en pratique, à cause du poids des dépenses contraintes, ils commencent à avoir des vrais problèmes de fin de mois. Donc ça, ce sont des gens, je dirais pas que le frigo est vide, mais je dirais que le frigo est sérieusement en train de se vider. C'est un autre type de gilet jaune. Ça commence là, effectivement, à devenir beaucoup plus sérieux. Et visiblement, il y a déjà une rupture à l'intérieur du mouvement entre la tendance de Madame Jacqueline Mourault, la classe moyenne moyenne en risque de déclassement, qui cherche maintenant le compromis avec le gouvernement d'Emmanuel Macron, et puis la tendance de ces gilets jaunes plus durs, parce que eux, ce sont des gens de la classe moyenne inférieure et des classes populaires qui commencent à avoir de vrais problèmes de fin de mois très sérieux, et qui, eux, sont beaucoup plus déterminés. Et puis il y a un troisième niveau qui existe aussi, mais qui est pour l'instant, me semble-t-il, assez minoritaire au sein du mouvement. Ce sont les gens qui ont de vrais problèmes de pauvreté absolue. Alors en France, ça reste marginal, mais ça a cessé d'être purement anecdotique. Notre tissu de protection sociale s'est quand même bien déchiré, et il y a 5 ans, on pouvait encore penser, comme je pensais à l'époque, que les problèmes de pauvreté absolue, ceux qui ne feraient pas rire, si vous voulez, dans les vrais pays pauvres, étaient quelque chose quand même de très rare. Aujourd'hui, ça commence à devenir un peu moins rare. Et là, vous pouvez avoir effectivement des gens qui n'ont réellement plus rien à perdre et qui peuvent aller très loin dans la violence émeutière, politique, dans une période troublée. Un des enjeux pour évaluer le devenir du mouvement des Gilets jaunes, c'est évidemment d'évaluer la proportion de ces trois types de gilets jaunes à l'intérieur du mouvement, classe moyenne en risque de déclassement, classe moyenne inférieure et classe populaire qui ont des vrais problèmes de fin de mois, ou alors vraie pauvreté absolue. Troisième type de facteur explicatif, les malaises psychologiques collectifs. Alors, ces malaises psychologiques collectifs sont assez difficiles à cerner précisément. Quand on parcourt les forums de discussion, quand on écoute les gilets jaunes, il y a trois thèmes principaux. D'abord, un malaise psychologique ressenti en termes d'opposition entre les métropoles et la France périphérique. D'autre part, il y a de toute évidence un non-dit très important qui est l'opposition entre les indigènes et les banlieues. Quand vous regardez le mouvement des Gilets jaunes, à moins d'être complètement aveugle, il y a quand même une chose qui frappe, c'est blanc à 99% ou pas loin. Ce sont les Français blancs, disons d'origine européenne, qui sont en train de se soulever. C'est d'ailleurs ce qui explique que la gauche qui a tenté de mobiliser les banlieues n'y soit pas parvenue, en tout cas pas dans les conditions qu'elle souhaitait. L'opposition entre indigènes européens vivant plutôt à la campagne et dans les petites villes et banlieues ethniques est très présente en arrière-plan dans le mouvement des Gilets jaunes. Troisième malaise psychologique évident, il y a une crise de légitimité politique très grande. Il faut bien voir que si l'élection d'Emmanuel Macron est parfaitement légale, sa légitimité politique est très faible. Macron n'a pas été élu parce qu'il représentait une majorité du peuple français.
Il a été élu parce qu'il représentait une minorité qui, au moment de l'élection, était juste un tout petit peu moins minoritaire que les trois autres minorités irréductibles qui se partagent aujourd'hui le paysage politique français. Au premier tour, il a fait 24% des voix, c'est le plus faible score d'un candidat élu au premier tour, le plus faible score de premier tour. Au deuxième tour même, contre Marine Le Pen, ce n'est pas tellement lui qui a fait un score important, car l'abstention a été très élevée, c'est surtout Marine Le Pen qui a fait un score relativement mauvais, en particulier à la suite d'une campagne d'entre-deux tours largement plantée. Donc ces trois malaises psychologiques, de la France périphérique par rapport aux métropoles, des indigènes par rapport aux banlieues, et du peuple au sens large par rapport à un pouvoir vécu comme illégitime, ça débouche, si vous voulez, sur un mécanisme inconscient, mais très puissant, qui est que les gens ont envie de dire, d'abord, nous sommes le peuple. C'est nous qui sommes le peuple. Il y a la volonté de réaffirmer son existence. Il y a la volonté de reprendre contact, en quelque sorte, avec la terre ferme. Il y a une sensation générale de perte de repères. Et réaffirmer son être, c'est d'abord un moyen de se donner à nouveau des repères. Et puis, de nous sommes le peuple, on passe assez facilement à nous sommes un peuple. C'est une expérience vécue par les Allemands en 1989. Je trouve d'ailleurs qu'il y a quelques points communs entre ce qui est en train de se passer en France et ce qui s'est passé en Allemagne de l'Est en 1989. Il y a aussi de très grandes différences, bien sûr, mais il y a quelques points communs. Et si vous voulez, j'ai l'impression que ce qui se produit en fait, c'est que le malaise psychologique, ou plus exactement la somme de malaise psychologique est devenue telle que inconsciemment, les gens maintenant recherchent un combat à mener ensemble pour retrouver un esprit collectif. Et celui qui est en train de faire l'union du peuple de France, non pas derrière lui, mais contre lui, c'est Macron. Alors à ce niveau-là, évidemment, il y a un quatrième facteur explicatif à intégrer, qui est l'impact des réseaux sociaux. Petit rappel, le pouvoir ne résulte pas du nombre, il résulte de la capacité à coopérer. Pourquoi nous avons un système représentatif? Parce que les masses ne savent pas coopérer. Donc elles doivent élire des représentants pour que ces représentants coopèrent. Or, dans une certaine mesure, les réseaux sociaux permettent maintenant aux masses de coopérer. Donc ça soulève la question du système représentatif et ça vient rencontrer cette somme de malaise psychologique pour offrir en quelque sorte à une fraction de la population qui a atteint le point de rupture socio-économique l'opportunité de retourner contre le système la violence qu'elle subit depuis trop longtemps. C'est la perception en tout cas que j'ai du mouvement des Gilets jaunes à ce stade. Alors, avant d'essayer d'esquisser les devenirs possibles du mouvement, on va revenir un petit peu sur son histoire récente, sur les faits, en tout cas les faits tels qu'ils sont connus à ce stade. Donc on a un mouvement à la genèse très atypique et un pouvoir qui joue une stratégie classique, ce qui fait qu'évidemment cette stratégie est totalement inadaptée, ce qui fait que maintenant nous sommes dans une situation d'impasse. Comment en est-on arrivé là? Alors le mouvement a commencé en septembre-octobre 2018, en réalité, avec la montée d'une grogne de plus en plus sensible à l'occasion de l'annonce de mesures d'économie pour 2019. Ce qui a caractérisé ces annonces, c'est une certaine brutalité. L'impression générale, c'est que, se heurtant à de très nombreux conservatismes à travers la structure sociale française, dont un certain nombre émanait de forteresses qu'il ne pouvait pas attaquer trop frontalement, Emmanuel Macron et par contre-coup Édouard Philippe, en quelque sorte, s'est lâché sur les secteurs où il savait pouvoir taper, sachant que, puisque, encore une fois, la France est dans l'union économique et monétaire, la rigueur comptable n'est pas une option, c'est un prérequis. Alors évidemment, dans ces conditions, il fallait que, tôt ou tard, un des endroits où cette rigueur allait tomber, avec d'autant plus de sévérité qu'elle était mal répartie, se révèle être piégé, être miné. Et il a fallu, c'est comme ça, que la mine sur laquelle Édouard Philippe devait sauter concerne la hausse du prix des carburants. La baisse des taxes, ou plus exactement la non-augmentation des taxes au départ, n'a été qu'un aspect de la question. En octobre, une dame, Priscilla Ludowski, a lancé une pétition en ligne pour demander la baisse du prix des carburants. L'argumentaire était simple, nous sommes déjà dépendants des cours du pétrole, il n'est pas question qu'en plus nous subissions une augmentation des taxes. Cette pétition en ligne a rencontré un succès fulgurant. Elle a aujourd'hui franchi le cap du million de signatures,
Dès la fin du mois d'octobre, elle avait franchi celui des 250 000 signatures. Le 18 octobre, une dame, Jacqueline Mourot, dont nous avons déjà parlé, poste une vidéo intitulée « Mais qu'est-ce que vous faites du pognon des Français ?». Cette vidéo est sur Facebook et un buzz très important se déclenche. Soit dit en passant, une réponse possible à la vidéo de Madame Mourot serait de faire observer que nous avons appris récemment que depuis un an, le nombre des ultra-riches français résidant en Suisse est resté à peu près stable, alors que leur fortune a augmenté d'environ 13%. Madame Mourot interpelle Monsieur Macron, comme elle dit, sur la trappe aux conducteurs. Le coup de gueule est vu plus de 6 millions de fois sur le réseau social en quelques jours. Qui sont mesdames Mourot et Ludowski? Pour autant que nous le sachions, ce sont des anonymes. Alors il est possible, bien sûr, qu'elles aient été mandatées pour faire ce qu'elles ont fait, mais il est très probable que pas du tout, et que tout simplement, ce sont des personnes qui ont protesté contre une augmentation de taxes qu'elles estimaient infondée ou excessive. À partir de là, la grogne est montée assez vite, et début novembre 2018, le gouvernement a réagi par la voix du Premier ministre, M. Édouard Philippe, qui a expliqué en gros « Tout ça est bien difficile, j'en ai conscience, mais on n'a pas le choix ». Ce qui d'ailleurs, de son point de vue, il faut le signaler, est vrai. M. Philippe est un exécutant, en réalité, comme toute la classe politique française. Étant donné le mode de fonctionnement de l'Union économique et monétaire, il ne peut pas faire autrement que déployer une rigueur comptable qui va nécessairement tomber très lourdement sur les humbles, puisque le système est conçu pour épargner les vrais riches. Le problème, c'est que même si M. Philippe, en bon jupéiste, est resté droit dans ses bottes, ça n'a pas dissuadé les manifestants de manifester, les pétitionnaires de pétitionner, les Facebookers de Facebooker, et dès la deuxième quinzaine de novembre, la Réunion, l'île de la Réunion, a basculé dans le chaos. Alors je ne vais pas m'attarder longuement sur la Réunion, c'est une problématique un peu spécifique naturellement. Disons que là-bas, les problèmes économiques sont encore beaucoup plus lourds qu'en métropole et que d'une certaine façon, cette île au bord de la dislocation sociale a commencé à y basculer franchement à la faveur de la politique de rigueur qui est déployée en ce moment. Pendant tout le mois de novembre, progressivement, le mouvement des Gilets jaunes a émergé à travers la recherche, le déploiement, l'expérimentation, le retour d'expérimentation et la redéfinition permanente de méthodes pour acquérir un levier sur le pouvoir politique afin de l'obliger dans un premier temps à renoncer aux taxes auxquelles on voulait le faire renoncer et ensuite à prendre un ensemble de mesures s'élargissant sans cesse car au fur et à mesure que le mouvement émergeait, ceux qui s'y joignaient y ajoutaient leurs revendications propres de plus en plus larges, de plus en plus profondes. C'est un mécanisme classique en période révolutionnaire. On commence par un cahier de doléances où on dit qu'on ne veut plus les corvées et ça se termine par l'exigence de la République. Le 15 novembre 2018, en gros, les différents sondages disponibles indiquent qu'à peu près les deux tiers des Français approuvaient le mouvement des Gilets jaunes. Le 17 novembre a lieu ce que les Gilets jaunes eux-mêmes appellent l'acte 1 de leur mouvement, qui se manifeste surtout par une multiplication de barrages filtrants et d'opérations péage ouvert en province. Ce jour-là, il n'y a pas de phénomène de manifestation de masse à Paris. Ça bouge un petit peu, bien sûr, mais il ne se passe rien d'important dans la capitale. La participation à cet acte 1 du mouvement des Gilets jaunes a été officiellement de l'ordre de 300 000 manifestants sur environ 2000 sites. La réalité semble avoir été sensiblement plus élevée. Le syndicat France Police, policiers en colère, devait évoquer le 24 novembre, lors de l'acte 2 qui a semble-t-il réuni moins de monde, 750 000 gilets jaunes dans toute la France, sur environ 1500 points de blocage. On a du mal à mesurer le nombre exact de participants, d'abord parce que, comme ces manifestations ne sont pas déclarées, comme la participation elle-même peut dans certains cas être ambiguë avec des gens qui viennent mais qui n'arborent pas de gilets jaunes, il y a une large place faite à l'interprétation. Et puis d'autre part, il est très probable effectivement que le pouvoir politique a donné des consignes pour minorer la participation à ces événements. Disons que les premiers actes, 1 et 2, ont vraisemblablement réuni entre 300 000 et 1 million de personnes, sans qu'on puisse être beaucoup plus précis. Lors de l'acte 2, le 24 novembre, on a assisté aux premiers incidents à Paris.
Ces incidents étaient assez curieux dans la mesure où, au dire des spécialistes, la façon dont ils se sont déroulés indique que leur genèse a en quelque sorte été tolérée par les autorités. Un certain nombre d'éléments de mobilier urbain et de travaux qui sont en général évacués avant une manifestation ont été laissés sur place. Alors ça peut être dû au fait que les autorités ne savaient pas exactement où la manifestation se déroulerait, mais enfin tout de même, autour des Champs-Élysées à Paris, les autorités savaient que des manifestations étaient probables. Un certain nombre d'éléments plus ou moins incontrôlés d'extrême droite ou d'extrême gauche ont également pu se mêler à l'événement alors que il était très facile pour les autorités de les intercepter en amont. Bref, il semble que soit sur consigne gouvernementale, soit par initiative policière, la préfecture de police de Paris ait laissé en quelque sorte se déclencher des incidents avec sans doute l'arrière-pensée, d'une part, de casser la popularité du mouvement en faisant un mouvement d'émeutier, d'autre part, d'empêcher tout mécanisme de fraternisation entre les manifestants et les forces de l'ordre. En province, en particulier le 17 novembre, on a vu, dans un certain nombre de cas, une bonne partie des compagnies de CRS déployées enlever leur casque en signe de solidarité avec les manifestants. À partir du moment où, à Paris, vous invitez des casseurs, des extrémistes dans la manifestation, les CRS savent que s'ils enlèvent leur casque, ils risquent tout simplement de se faire casser la gueule. Donc ils n'enlèvent pas leur casque, si vous voulez. Il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des incidents à ce moment-là. Dans le sud, il y a un péage qui est incendié. Il est intéressant de noter que parmi les personnes interpellées à la suite de cet incendie, il semble qu'il n'y avait aucun gilet jaune. Alors s'agissait-il de casseurs mus par leur seul instinct ou de gens qu'on avait envoyés là pour créer l'impression que le mouvement des gilets jaunes était violent et destructeur? Ça, je ne sais pas. En tout cas, tout ça ressemble très clairement à une stratégie du pourrissement très classique avec utilisation d'agents provocateurs, volontaires ou involontaires. Le 1er décembre 2018, lors de l'acte 3 du mouvement, on assiste très clairement à une baisse de la participation, mais à une intensification des actions. Il y a moins de monde, mais ce sont des gens beaucoup plus décidés. Et à Paris, il y a des émeutes d'une réelle gravité, avec des scènes d'une très grande violence, le tout accompagné de pillages par des gens venus des banlieues. Il est difficile d'interpréter ces événements, mais ça ressemble à une stratégie de la tension qui a partiellement échappé à ses organisateurs. Le 8 décembre, il se déroule l'acte 4. Cet acte 4 se déroule sur fond de panique gouvernementale. Il y a eu beaucoup d'indices montrant que Emmanuel Macron, Édouard Philippe et les ministres et les parlementaires de La République En Marche se sont mis à partir de ce moment-là à craindre pour leur sécurité physique. On a donc eu un verrouillage sécuritaire complet de la capitale avec cette fois des interpellations en amont dans les milieux potentiellement violents. Ça n'a pas empêché des pillages par des bandes venues de banlieue, pas ou très peu par les gilets jaunes. En revanche, ça a clairement empêché la réédition des scènes d'émeutes à grande échelle et ultra-violentes du 1er décembre. Il y a un plan policier d'encadrement, de découpage des manifestants qui a été appliqué cette fois avec efficacité. Une des raisons pour lesquelles le pouvoir semble également avoir renoncé à laisser se produire le chaos pour faire pourrir le mouvement, c'est sans doute qu'on s'est aperçu, après les événements du 1er décembre 2018, avec des scènes de sédition à Paris, que le soutien de la population au mouvement des Gilets jaunes ne baissait pas. Il est resté plus ou moins sur toute la période de l'ordre de 66% de la population, plus ou moins selon les sondages. Alors ça, c'est très inquiétant pour le pouvoir, parce que ça veut dire que la stratégie du pourrissement ne prend pas, puisque l'objectif principal de cette stratégie, c'est de faire en sorte que le mouvement perde le soutien de la population. Sans soutien de la population, ce mouvement ne peut pas être poursuivi. Vous pouvez effectivement bloquer en partie un pays pendant des semaines si vous avez derrière vous une part importante de la population. Mais si une très nette majorité est contre vous, ça n'est pas possible parce qu'à ce moment-là, il y a des gens tout simplement qui vont venir vous dégager physiquement des ronds-points. À partir de la fin du mois de novembre, le gouvernement a commencé à chercher à se doter d'interlocuteurs. Qu'est-ce qui a amené Édouard Philippe et Emmanuel Macron à décider en quelque sorte qu'il fallait arrêter les frais? Ben, c'est justement que les frais commençaient à devenir très élevés. L'impact le plus significatif du mouvement des Gilets jaunes, ce ne sont pas les scènes d'émeute à Paris.
Ce ne sont même pas les quelques pillages qui ont pu survenir dans la capitale. Là, on parle de coûts en millions d'euros. Le véritable impact, c'est les conséquences sur l'activité économique en général, et là on parle d'un coût en milliards d'euros. Bruno Le Maire a évalué le coût des gilets jaunes à 0,1% de PIB, un retard de croissance sur décembre, novembre-décembre 2018. Bon, je ne sais pas comment il a évalué ça, tout ça est très contestable. Je pense qu'il a mêlé au coût des gilets jaunes le fait que le gouvernement avait légèrement surévalué les perspectives de croissance. Mais ce qui est certain, c'est que le coût devient très significatif. Allez parler, si vous habitez Paris, avec un patron de brasserie parisienne et demandez-lui comment les coûts ont évolué à Rungis, le coût des produits frais à Rungis, à partir de la fin du mois de novembre 2018. Les distributeurs et les commerçants ont vu leurs entrepôts et leurs magasins bloqués par des gilets jaunes partout en France. Il en est résulté des problèmes d'approvisionnement tout à fait sérieux, des pertes de chiffre d'affaires, des problèmes de marge également, souvent, en particulier pour les restaurateurs en région parisienne. Le pouvoir a réagi assez vite en essayant d'empêcher les blocages purs et simples, comme à Toulouse, où la Socamil, la centrale d'achat régionale de Leclerc, avait été bloquée par des gilets jaunes. Alors la stratégie des gilets jaunes en général a consisté à ne pas accepter l'affrontement direct. Dès qu'on leur a confirmé que le tribunal avait déclaré illégal leur blocage, ils ont libéré le terrain, pas de problème. Mais évidemment, rien ne les empêche d'aller remettre un point de blocage ailleurs, quelque part, le long de tous nos réseaux logistiques. Et c'est bien pourquoi le mouvement des Gilets jaunes pose un très grand problème au pouvoir. En combinant les capacités d'organisation collective offertes par les réseaux sociaux et une bonne compréhension de la vulnérabilité des flux logistiques dans une économie surintégrée, les Gilets jaunes sont en fait en train d'inventer une sorte de guerre des essaims sur le modèle des guérillas contemporaines, mais sans usage des armes. Une guerre des essaims utilisant un très très faible niveau de violence, simplement pour coûter le plus cher possible à un État qu'on veut faire plier. Ajoutez à ça que début décembre, le gouvernement a craint une coagulation autour du mouvement des ambulanciers, des agriculteurs, des routiers, dans les centrales à charbon aussi, dont Emmanuel Macron vient d'annoncer la fermeture. Bref, à un certain moment, ce gouvernement a craqué. Avec un moratoire puis une suppression pure et simple des mesures fiscales sur le carburant, avec la recherche d'interlocuteurs au sein du mouvement des Gilets jaunes, dont au départ la légitimité n'était pas reconnue, cela a officialisé une scission du mouvement entre des Gilets jaunes libres, regroupés autour de quelqu'un comme Madame Jacqueline Mourot, dont on a analysé le positionnement social précédemment, et d'autres gilets jaunes, une myriade de personnes, de groupes, c'est très compliqué, je ne vais pas dire exactement de qui il s'agit, car j'en suis incapable, je crois que personne n'en est capable, qui sont des gens beaucoup plus déterminés, et souvent pour les raisons socio-économiques que nous avons analysées précédemment. Les tentatives de rencontre entre le gouvernement et les gilets jaunes libres, d'ailleurs, se sont soldées généralement par un fiasco, essentiellement parce que beaucoup de gilets jaunes, si vous voulez, redoutent tout simplement, s'ils apparaissent comme des traîtres, d'être physiquement pris à partie. Le mouvement des Gilets jaunes marque le retour de la violence révolutionnaire dans le débat politique. Il ne faut pas s'y tromper. Tout ça a débouché le 10 décembre 2018 sur une allocution un peu surréaliste d'Emmanuel Macron, qui a essayé, m'a-t-il semblé, je me suis forcé à regarder ce machin, une sorte de coup du charme appliqué à la population française. Bon, en pratique, il n'avait pas grand-chose à offrir, puisque pour les raisons qu'on a déjà évoquées, il n'a pas de marge de manœuvre. Il est dans un pays qui a 100% de ratio dette publique sur PIB et qui est à l'intérieur de l'Union économique et monétaire. Et il ne veut pas remettre en cause le libre-échange. Donc, il a libre circulation des capitaux. Donc, il ne peut rien faire, en pratique. Alors, il a essayé de vendre quelques mesures sociales. Bon, on va augmenter un peu le SMIC, finalement. On va remettre en cause en partie l'augmentation de CSG pour les retraités, etc. Bon, sans doute quelques personnes à l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes vont s'en satisfaire, surtout au niveau de cette classe moyenne-moyenne en crainte de déclassement, au niveau des retraités, puis peut-être un petit peu au niveau de la classe moyenne inférieure et des classes populaires. Mais je pense que ce sera pas du tout suffisant, ça n'est plus du tout à la hauteur de l'ampleur du malaise révélé par cette crise. Alors il est intéressant que juste après, le 12 décembre, il y ait eu un attentat à Strasbourg, et qu'à la faveur de cet attentat, toutes les manifestations aient été interdites
dans Strasbourg, pour l'acte 5 du mouvement des Gilets jaunes qui est prévu samedi prochain. Je vous rappelle que Strasbourg est une ville où se trouve le Parlement européen. Voilà, j'enregistre cette vidéo le 13 décembre au matin. Par conséquent, je ne peux prendre en compte que les informations disponibles le 13 décembre au matin. La vidéo devrait sortir, je pense, le 15 décembre, le temps que je la monte, peut-être le 14 au soir. Je précise la date parce qu'effectivement, nous sommes dans un de ces moments historiques où il peut se passer en 24 heures, ce qui normalement prend plusieurs mois. Essayons maintenant d'évaluer les conséquences vraisemblables du phénomène. Bon, c'est vrai qu'il est un peu tôt pour en parler parce que tout simplement, l'événement n'est pas terminé, on le prend en cours, mais je crois qu'il y a déjà une certitude. En fait, c'est un événement important parce qu'il marque un changement d'époque. Ce qui vient de se passer en France, c'est que pour la première fois depuis très très longtemps, les classes dominées ont trouvé un levier pour établir un rapport de force réel avec les classes dominantes. Ce qui est en train de se passer, c'est que des gens qui jusqu'ici n'avaient pas de système de représentation dans l'arène politique, économique et sociale, parce qu'ils n'étaient pas représentés par les syndicats, parce qu'ils n'étaient pas représentés en fait par les partis politiques d'opposition, ou éventuellement par des partis politiques d'opposition disqualifiés, ce qui a longtemps été le cas du Front National, eh bien ces gens viennent de trouver un moyen d'établir un rapport de force. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que les campagnes et les petites villes, la France profonde, la France qui n'est pas dans les métropoles ni dans les banlieues, va commencer maintenant à comprendre que, en fait, c'est elle qui est forte. C'est elle qui est forte parce qu'elle est plus nombreuse et surtout parce qu'elle peut, à tout moment, bloquer les flux logistiques qui permettent aux métropoles et aux banlieues de survivre. Il faut bien voir qu'en France, aujourd'hui, vous avez une situation qui est assez dangereuse, à savoir une sorte de pays hors sol constitué par Paris et quelques grandes métropoles avec les banlieues qui sont autour. Et ce pays hors sol ne produit en fait plus grand-chose. Ce pays hors sol est riche parce qu'il se nourrit des taxes prélevées sur l'activité productive qui reste dans le pays. Il est riche parce que il inclut un certain nombre de fonctions tertiaires et surtout quaternaires qui en fait servait essentiellement à redistribuer les produits de la rente financière à travers des tâches d'analyse symbolique à l'utilité plus ou moins douteuse, mais en réalité, il ne produit presque rien. Il n'y a pratiquement plus d'industrie dans les grandes métropoles françaises. Jadis, la région parisienne était réellement productive. Vous aviez les usines Renault sur une île de la Seine, vous aviez les usines Citroën à Javel. C'est fini tout ça. Il n'y a évidemment pas d'agriculture, ou très peu. Donc en fait, concrètement, que produisent aujourd'hui ces métropoles? Pas grand-chose. Et ce pays hors sol, improductif, bien que riche, toise, méprise le pays productif, ou ce qu'il en reste, le pays des champs, des usines, et très souvent d'un tissu de PME qui est en train de crever, et sans lequel il n'y a pas d'activité économique possible dans un pays comme la France. Donc dans un contexte comme ça, où vous avez des gens qui sont riches et qui méprisent des gens qui sont pauvres et qui en fait sont les gens productifs, vous avez une situation pré-révolutionnaire d'un type nouveau. Les campagnes, les petites villes, les gens qui habitent la France profonde ont trouvé un levier. Ce levier, c'est essentiellement la paralysie des flux logistiques et le coût économique que ça représente. Alors tout le problème maintenant, évidemment, c'est de savoir comment les différents acteurs vont se positionner par rapport à cette nouvelle donne. Alors si on essaye de balayer ces acteurs, commençons par l'acteur qui, pour l'instant, a en quelque sorte l'initiative, c'est-à-dire les divers courants des Gilets jaunes. Je ne crois pas du tout que les vagues promesses d'un Emmanuel Macron vont apaiser ces gens. Certains d'entre eux vont chercher les voies et moyens d'une négociation. On pourrait les appeler les Gilets jaunes modérés. Moi, j'ai envie de dire les Gilets jaunes de la classe moyenne menacée de déclassement. D'autres gilets jaunes, beaucoup plus radicaux, ceux que je pourrais appeler pour l'essentiel les gilets jaunes de la classe moyenne inférieure et des classes populaires dont les fins de mois commencent à être vraiment très difficiles, eh bien d'autres gilets jaunes donc ne vont pas aller chercher la négociation. J'ai bien l'impression que là on a affaire à des gens qui, même s'ils ne le disent pas encore ouvertement, ne seront vraiment contents que quand ils auront contraint Emmanuel Macron au minimum à la dissolution de l'Assemblée nationale et plus probablement à la démission. Je crois que beaucoup de ces gens n'ont absolument pas envie de discuter, que le concept général, c'est qu'ils veulent prouver qu'ils ont les moyens de renverser le président de la République. Je pense qu'ils en ont besoin parce qu'ils veulent
faire comprendre qu'en France, c'est le peuple qui commande et qu'on ne peut pas se foutre de sa gueule. Comme d'un autre côté, il n'y a aucun moyen, à ma connaissance, de contraindre un président de la République à démissionner, je crains que ce qui se passe, si vous voulez, ce soit une sorte de bras de fer prolongé, avec des gilets jaunes qui vont progressivement affiner leur méthode et un pouvoir qui, de son côté, va progressivement découvrir les moyens de contrer les méthodes mises en place par les gilets jaunes. Et un enjeu au fond qui est à combien de dixièmes de points de PIB ou de points de PIB perdus à cause de la semi-paralysie introduite dans le pays par les protestations des Gilets jaunes, les gens qui sont derrière Macron considéreront qu'il leur coûte vraiment beaucoup plus cher que ce qu'il leur rapporte, car il est évident que ces gens-là, et on parle là des grands capitalistes français, n'ont pas mis Macron à l'Élysée pour perdre de l'argent, mais pour en gagner. À quel moment donc vont-ils décider qu'ils doivent se débarrasser d'Emmanuel Macron? Et comment le feront-ils? Je n'ai pas la réponse à cette question. La seule chose que je peux dire, c'est que intuitivement, sur la base de ce qu'on peut percevoir à ce stade, moi j'ai l'impression que ça risque fort de se terminer comme ça, parce que je ne vois pas le mouvement gilet jaune, si vous voulez, s'arrêter. Il peut faiblir, s'éteindre presque, et puis se rallumer, et puis se rééteindre presque, et puis se rallumer au gré de la conjoncture, au gré des mouvements d'opinion. Une fois qu'une classe dominée a trouvé un levier, après s'être laissé marcher dessus pendant 50 ans, elle va avoir tendance forcément à jouer avec ce levier. Le pouvoir va certainement s'appuyer sur les fractions modérées, mais comme ces fractions modérées elles-mêmes ont très peu les moyens de peser sur ce que décide la collectivité des Gilets jaunes, ça servira pas à grand-chose. Alors est-ce qu'on peut imaginer une stratégie du chaos à grande échelle, avec par exemple un recours au terrorisme islamiste? Oui, c'est très possible, mais en l'occurrence, je pense que même ça ne marcherait pas. Je vais vous dire pourquoi ça ne marcherait pas, c'est qu'il y a quelque chose de terrifiant dans le mouvement des Gilets jaunes du point de vue du pouvoir. La vérité, c'est que si demain Macron et compagnie décidaient vraiment d'être très méchants et de laisser se produire un attentat majeur dans une grande ville française, je pense que beaucoup, les Gilets jaunes, auraient comme réaction secrète, ils ne le diraient pas ouvertement, mais auraient comme réaction secrète quelque chose du genre, bon, au fond, ce monde des métropoles, peuplé en partie de bobos, qui nous méprisent, et d'immigrés qui ne nous intéressent pas et qui ne nous connaissent pas et que nous ne voulons pas connaître. Bien, ma foi, ils se démerdent. Donc, dans ces conditions, à mon avis, même une stratégie du chaos n'arrêterait pas la chose, parce que la stratégie du chaos concernerait essentiellement les métropoles, pas l'espace des petites villes de province et des campagnes. Il y a un autre acteur à regarder, évidemment, c'est la gauche radicale, Mélenchon et la France insoumise, et puis encore plus à gauche, en théorie au moins, le nouveau parti anticapitaliste, ce genre de truc. Alors eux, je crois qu'on a tous compris de quoi il s'agissait, ce sont des gens qui prennent le train en marche. Ils essayent de gauchiser, entre guillemets, le mouvement, de le teinter en quelque sorte à la couleur de leur propre problématique, mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Et la vérité, c'est qu'ils sont devant un très gros problème, nos amis de la gauche radicale, parce que s'ils introduisent les banlieues dans l'affaire, qui est un monde qu'ils ont beaucoup travaillé et où ils sont très présents, ça ne leur permettra pas de raccrocher ce mouvement des banlieues à la dynamique qui est née dans la France profonde. Parce que la coupure entre le monde des banlieues et le monde de la France profonde est bien plus grande que quelque chose que pourrait surmonter un simple travail d'agit-prop. Ce sont littéralement deux mondes différents. Le 18 novembre, la France insoumise a organisé des rencontres nationales des quartiers. Derrière tout ça, il y a tout un choix stratégique de retour à l'union de la gauche, entre guillemets, en espérant s'appuyer sur la banlieue pour refabriquer un électorat de gauche unitaire. Je pense que Jean-Luc Mélenchon et ses amis vont bientôt s'apercevoir que c'est un peu embêtant d'aller à Épinay pour déclarer, je cite, je sais quelles sont les populations qui sont là dans ces quartiers, eh bien moi je veux les nommer, je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de le dire, ce que vous voyez là, c'est la Nouvelle-France. Parce que le problème, si vous voulez, c'est que cette Nouvelle-France, elle ne pèse jamais que 20% à peu près du pays, et qu'il y a 60% à côté qui ont déduit de ce discours que eux, ils étaient l'ancienne France et que par conséquent, ils n'intéressaient pas Monsieur Mélenchon. Bon courage à lui pour les faire changer d'avis, sans se fâcher avec ces quartiers populaires qu'il a voulu mettre en avant. Il faut bien voir qu'à chaque fois que la gauche radicale mettra en avant les revendications de la banlieue, le pouvoir macroniste utilisera ces revendications pour souligner que ce qu'il donne aux uns, il ne peut pas le donner aux autres. Ce qui est normal, ce qui est logique, qui est une stratégie de diviser pour régner classique. Et ça marchera. Ça marchera parce que malheureusement, entre cette nouvelle France et l'ancienne France, il y a un fossé.
On peut remarquer autre chose s'agissant des acteurs, c'est que Marine Le Pen et d'une manière générale le courant souverainiste nationaliste jouent plutôt une partition mezzo voce. Ils se mettent pas beaucoup en avant, un petit peu Nicolas Dupont-Aignan, mais très peu Marine Le Pen. Je pense que ça vient du fait que de toute façon ils n'en ont pas besoin, et particulièrement Marine Le Pen n'en a pas besoin. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est que l'histoire travaille d'elle-même pour ce courant. Balayons rapidement quelques acteurs nationaux secondaires. Les forces de l'ordre. Il doit se passer beaucoup de choses en ce moment dans la tête des CRS. Je pense que ceux qui gambergent le plus fort ne sont sûrement pas ceux qui sont confrontés à Paris aux gilets jaunes, disons, fortement politisés, potentiellement agressifs. Ceux qui gambergent le plus fort, à mon avis, sont ceux qui se retrouvent en province, en face de personnes que parfois ils connaissent personnellement, dont ils savent qu'elles sont très proches d'eux, sur le plan du mode de vie, sur le plan des préoccupations, et qui sont généralement des personnes non violentes. Et à mon avis, ce qui aujourd'hui devrait le plus inquiéter les états-majors de la police nationale, de la gendarmerie et de l'armée, c'est ce qui peut se passer là. Pas à Paris. Même à supposer qu'une bande d'excités, si vous voulez, parvienne à déjouer le dispositif policier et à entrer dans l'Élysée. Ça n'arrivera pas, à mon avis, mais imaginons. Bon, et après, ils font quoi? Ok, ils sont dans l'Élysée, ils sont contents, ils peuvent saucissonner dans une vaisselle à 50 000 euros. Et après, ils font quoi? Ils font rien. En revanche, si massivement, dans beaucoup de lieux en province, on a des compagnies de CRS qui commencent à fraterniser avec les manifestants, là, on pourra dire que le régime a vraiment du souci à se faire. Mais je me trompe peut-être, c'est à des spécialistes du travail de police qu'il faudrait demander leur avis. Bon, les syndicats, je vais les passer rapidement, parce que je pense qu'ils ont en fait pas grand-chose à dire. Ils se sont transformés petit à petit en des machines de défense clientéliste pour des catégories bien précises et qui ne sont pas franchement les plus malheureuses dans le pays. Je précise bien entendu que je ne cherche pas, en disant cela, à dévaloriser le travail des syndicalistes de terrain, qui font souvent un travail difficile et courageux. Je parle de la grosse machinerie syndicale dont les échelons supérieurs sont évidemment cooptés par le patronat. Le MEDEF, alors le MEDEF... à mon avis, le MEDEF en ce moment, ça doit pas être la grande forme, hein, parce que le mouvement des entreprises de France, en ce moment, c'est surtout un mouvement des entreprises qui risque de se retrouver dans la merde. Je pense qu'à ce niveau-là, au niveau du patronat français, surtout du grand patronat, on doit être en train de commencer à réfléchir à l'après-Macron. On prépare la carte suivante et on réfléchit à la meilleure façon de se défausser de la carte Macron. Je me trompe peut-être, on verra ce qui va se passer. Les médias. Bon, alors les médias, ils ont un problème, c'est que pratiquement, je crois que presque plus personne ne leur fait confiance. Au plus grand monde dans le pays. Disons, en tout cas, les 66% qui soutiennent les Gilets jaunes ne font absolument pas confiance aux médias, donc ils peuvent dire absolument tout ce qu'ils veulent, ça n'a aucune importance, en pratique, les gens ne les écoutent plus. Alors je pense qu'ils vont essayer probablement de s'en sortir en jouant la carte de la fausse objectivité, et surtout en essayant de sélectionner les Gilets jaunes à qui ils donneront la parole, de façon à renforcer à l'intérieur du petit monde des Gilets jaunes, les éléments qui leur paraissent les plus stables et les plus susceptibles d'entrer dans une démarche de compromis. Ils le feront bien sûr sur instruction du pouvoir, mais là encore je doute que ça change grand-chose. J'ai l'impression que l'introduction du réseau social dans le champ politique a vraiment changé fondamentalement la donne. Alors ensuite on a deux autres mondes à considérer, les banlieues en elles-mêmes, indépendamment de leur instrumentalisation éventuelle par Mélenchon et compagnie. Alors dans les banlieues, il y a toutes sortes de gens. Il y a d'abord pas mal de gens qui ont des vraies difficultés sociales. Si des ponts doivent être construits entre ce monde-là et le monde des Gilets jaunes, ils le seront à travers les réseaux sociaux. Et j'ai tendance à dire que moins Mélenchon et compagnie interviendront dans le processus, plus il aura de chances d'être réussi. Le dégagisme a aujourd'hui rattrapé ceux-là même qui espéraient jouer dessus. Et je pense que si Mélenchon aujourd'hui se pointe parmi les gens qui ont une sensibilité dégagiste, ils vont lui dire « bah toi aussi tu dégages ». Quoi. Alors est-ce que ces passerelles pourront être établies? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un très grand différentiel culturel. On verra. Et puis alors, il y a un acteur dans les banlieues auquel il faut toujours penser, c'est Momo la ceinture farceuse. Momo le barbu. Alors lui, pour l'instant, il s'est tenu relativement tranquille. Il vient, semble-t-il, de sévir à Strasbourg, puisqu'il y a eu un attentat hier soir. Mais il peut revenir à grande échelle. Et je pense que quand il reviendra au milieu des émeutes pour nous refaire
un plan novembre 2015 au milieu d'un plan décembre 2018. Là, on sera vraiment au complet et on pourra commencer à danser. Bon, on va voir, mais je le crains sérieusement parce que d'abord, il peut être instrumentalisé par le pouvoir et puis d'autre part, il a son agenda propre. Il n'en a pas grand-chose à faire des problèmes sociaux français. Par contre, il peut en profiter pour fragiliser encore plus le pays dans le cadre d'une vaste négociation géopolitique. Et puis, on doit aussi penser donc aux renseignements étrangers potentiellement hostiles. C'est pareil, même si on admet que les Gilets jaunes sont au départ un mouvement réellement spontané, ce qui paraît assez probable, il n'en reste pas moins que il peut être instrumentalisé demain. On peut craindre en particulier que les États-Unis n'utilisent des problèmes internes français pour remplacer Macron par quelqu'un qui serait encore pire que Macron. Il faut pas se tromper. Macron, en réalité, c'est pas grand-chose. Ce type est un employé de banque métrosexuel. Il est très énervant. Il nous a imposé un gouvernement qui n'a même pas le bon goût d'être compétent, techniquement. Il nous a imposé des députés dont on se demande s'ils n'ont pas été sélectionnés pour leur retard cognitif. C'est déconcertant. Mais au moins, en politique étrangère, il ne nous a pas mis une guerre sur le dos. Il peut y avoir pire que Macron, hein. Il peut y avoir beaucoup plus méchant que le pouvoir français actuel. Donc ça, il faut y penser aussi. Quoi d'autre? Alors, à moyen terme, en politique intérieure, quelles vont être les conséquences? C'est difficile à dire. Encore une fois, on est un peu tôt dans le processus pour formuler un avis. Ce qui est clair, c'est qu'on assiste à l'émergence latente de ce qu'on pourrait appeler un extrême-centre, à la jonction entre le Rassemblement national et France insoumise. Cet extrême centre, si vous voulez, c'est le symétrique du centre modéré qui a été fédéré par Macron. Et si le modèle représentatif a encore un avenir, on pourrait imaginer une repolarisation de la vie politique française par une opposition entre un parti des métropoles de la classe moyenne supérieure ouvert à la classe moyenne moyenne, qui serait un centre modéré, un En Marche, si vous voulez, mais en plus sérieux et en plus ouvert sur la réalité du pays profond, contre un extrême centre, donc, sur le modèle de la coalition populiste qui s'est constituée en Italie. C'est le scénario que j'avais imaginé dans mon petit bouquin Voir Macron, dans ce que j'appelais le printemps italien, où j'imaginais un mouvement grassroots que j'appelais clair et net, parce qu'il fallait lui donner un nom, caractérisé effectivement par des positions très tranchées, très claires et nettes, émergeant sur Internet et présentant des candidats aux élections législatives après une dissolution de l'Assemblée et raflant la majorité et imposant un changement de politique complet. C'est une chose qui peut être envisagée en France, je dirais, dans le scénario le plus optimiste. Si ça doit se faire, je doute que ça se fasse par une évolution du Rassemblement national et surtout de France insoumise. Je ne serais pas surpris de voir apparaître effectivement quelque chose d'entièrement nouveau. Alors maintenant, à moyen terme en Europe et dans le monde, qu'est-ce qu'implique toute cette histoire? Bon, il est clair qu'il va y avoir une fragilisation géopolitique temporaire de la République française. À mon avis, le budget défense va prendre parce que on va nous imposer de limiter la croissance de notre déficit. Or, Macron va être obligé de lâcher un peu aux uns et aux autres pour tenir le pays pendant un certain temps. Il faut bien voir que le problème de Macron, c'est qu'en réalité, il pourrait mobiliser des marges très importantes s'il pouvait remettre en cause un certain nombre de situations acquises. Le problème, c'est qu'il peut pas. Donc dès qu'il veut donner plus à ceux qui sont effectivement spoliés, au lieu de prendre à ceux qui ont trop, il en est réduit à aller piocher dans le déficit. Il n'est pas le premier à être coincé comme ça. Espérons qu'il sera le dernier. Est-ce qu'il y aura un impact sur la zone euro à terme? Oui, certainement. Tout simplement parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est que la France, contrainte par son peuple, va rejoindre l'Italie parmi les pays qui disent en gros que l'austérité est d'inspiration germanique, ils n'en peuvent plus. Dans ces conditions, ou bien la zone euro va exploser, ou bien son mode de fonctionnement devra être vraiment revu en profondeur, l'un ou l'autre. Et c'est en train de se décider en ce moment. C'est-à-dire que ce qui est amusant, c'est que il n'y a que 30% des Français qui souhaitent la fin de l'euro, qui souhaitent que la France sorte de l'euro, mais il y en a 66% qui souhaitent qu'on donne raison, en quelque sorte, aux Gilets jaunes, qui souhaitent la victoire des Gilets jaunes. Et ça veut dire qu'il y en a probablement 36% qui n'ont pas compris les conséquences de cette victoire. C'est amusant. Bon, ce n'est pas très original. On a la proportion de gens en France qui peuvent, pour reprendre un mot célèbre, chérir les causes de ce qu'ils abhorrent. 36%. Ça pourrait être pire. Est-ce qu'il y a un risque de contamination à l'étranger?
Pour l'instant, ce qu'on peut relever en Europe, j'ai un peu parcouru la presse allemande, deux choses m'ont frappé. D'abord, la couverture des événements français me semble-t-il plutôt light par rapport à l'impact que ça peut avoir sur l'Europe et donc indirectement sur l'Allemagne. C'est couvert quand même, hein, bien entendu. Mais enfin, c'est moins couvert que ce à quoi je me serais attendu. Et d'autre part, en général, le leitmotiv, c'est ça peut pas arriver chez nous parce que chez nous, le dialogue social fonctionne. Les réactions belges sont tout à fait différentes puisque là, il y a eu un début de contamination en Wallonie, avec des manifestations à Bruxelles qui ont fait l'objet clairement d'une répression assez dure, sans doute parce qu'il y a le Parlement européen à proximité. Si le mouvement devait contaminer à l'échelle européenne, il est clair que la ville de Bruxelles prendrait une importance considérable. Les autres réactions internationales me semblent surtout marquées par le souci de gérer des problèmes internes. Bon, bien entendu, les Italiens qui sont en train de négocier leur budget avec Bruxelles en ont profité pour bien enfoncer la tête d'Emmanuel Macron dans la boue, ce qui est normal, on peut pas leur en vouloir. La réaction alors russe, c'est très amusant. En fait, en Russie, il y a eu deux types de réactions. Il y a eu la réaction de Douguine, qui traduit la réaction émotionnelle des Russes, et en gros, cette réaction, c'est « Vive les gilets jaunes », parce que dans l'esprit de Douguine, c'est la révolte d'un peuple enraciné contre les cosmopolites. Et puis, il y a eu la réaction du pouvoir, du Kremlin, une réaction, alors elle, pas du tout émotionnelle, puisque, en substance, via une chaîne de télévision notoirement proche du pouvoir, le message qui a été passé à la population russe, c'est « Regardez en France, les Américains tentent une révolution colorée parce que Emmanuel Macron a défendu une armée européenne contre l'OTAN. » Je ne sais pas si les Russes eux-mêmes croient ce qu'ils disent, c'est possible. Je pense surtout que la crainte de Poutine, c'est l'instabilité. Et il n'a pas entièrement tort parce que, figurez-vous que c'est amusant, mais les libéraux moscovites, c'est-à-dire précisément le type de personnes qui, en France, détestent les gilets jaunes, eh bien les libéraux, pour une fois, sont d'accord avec Alexandre Douguine. Pourquoi? Parce que eux se disent, ah ben voilà, on a un exemple d'un mouvement populaire qui conteste un pouvoir institué. C'est-à-dire que tout est inversé, tout le monde voit une fois de plus midi à sa porte, et finalement, à la fin, tout le monde peut être gilet jaune parce que tout le monde met ce qu'il veut sous le gilet jaune, si vous voulez. C'est très drôle. Enfin, je vais mentionner, parce que je ne peux pas ne pas le mentionner, les réactions américaines avec l'ineffable Donald Trump. Alors lui, je ne sais pas ce qu'il fume, mais c'est de la bonne. Trump, figurez-vous, a réussi, semble-t-il, à se convaincre que les gens à Paris avaient scandé We want Trump lors des manifestations en gilets jaunes. Je pense en fait qu'il a confondu avec des images de manifestations en Grande-Bretagne. Donc il faudrait quand même prévenir Donald Trump que les Français ne parlent pas anglais. Ce qui est vrai, c'est ce qu'a dit Stephen Bannon, qui a dit que le type de personnes qui votaient pour les gilets jaunes, c'est aussi le type de personnes qui ont voté Trump. Mais bien évidemment, ça n'implique absolument pas que ces gens-là soutiennent Donald Trump ou veuillent un Trump français. Sinon, quoi d'autre? Eh bien, on peut dire aussi que certainement cette crise aura un impact sur l'approche de la question migratoire par les classes dirigeantes, mais il est trop tôt pour dire dans quel sens. Il y a deux possibilités. Ou les classes dirigeantes se disent, il faut encore accélérer notre agenda d'immigration tous azimuts parce que décidément, le peuple européen, c'est pas possible, ils vont se révolter. Ou elles se disent, là, si on continue à injecter du migrant, ça va exploser pour de bon et ça va nous péter à la gueule et donc on va se calmer. Mais je ne sais pas encore lequel de ces deux raisonnements va prendre le pas sur l'autre. Voilà. Voilà un petit peu la perception à ce stade que je peux avoir des conséquences potentielles du mouvement. J'ai bien conscience du fait qu'avec tout ça, je ne vous livre pas une conclusion, je ne vous donne pas une prédiction, j'en suis incapable, mais j'espère au moins avoir ouvert des pistes de réflexion. Enfin, on va conclure cette vidéo avec les enseignements que les uns et les autres peuvent tirer de cette histoire à ce stade. Alors, la leçon que j'en tire personnellement, c'est que bon, le mouvement en soi n'est pas du tout une surprise. En revanche, le tempo du mouvement est très surprenant. Le fait que Macron en soit là avant le retournement cyclique à venir au niveau économique soulève la question de savoir, mais qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer après? Et je dois dire que à ce niveau-là, je n'ai pas de réponse. J'ai vraiment l'impression que nous sommes devant les territoires inconnus, si vous voulez. Jusqu'ici, on marchait
en pays de connaissance, on était dans un monde où on pouvait relativement prévoir, non pas ce qui allait arriver, mais ce qui pouvait arriver au moins, on pouvait lister les avenirs possibles. Là, j'ai l'impression que nous atteignons une singularité historique, un moment où presque tout est possible au fond, à part ce qui est, je dirais, matériellement exclu. Mais en dehors des impossibilités matérielles strictes, l'avenir me semble extrêmement ouvert. Alors, quels enseignements maintenant pour différentes catégories de gens qui essayent de réfléchir? Pour les économistes, je crois que la grande leçon de cette histoire, c'est qu'il faut maintenant essayer d'évaluer le niveau de pauvreté ressenti avec des outils prenant en compte le vécu concret des diverses strates de revenus et de patrimoine dans divers contextes. Nous avons trop tendance à réfléchir en termes quantitatifs généraux. Manifestement, le moment où des gens vont considérer que leur situation justifie objectivement leur révolte, n'est pas le même selon le contexte matériel, infrastructurel et culturel dans lequel ils s'insèrent. Une population occidentale, vivant selon les normes occidentales, amenée à évoluer, à bouger dans le cadre des infrastructures occidentales, et en fonction des obligations de mobilité posées par un système occidental complètement absurde sur ce plan, eh bien une population qui fonctionne ainsi touche manifestement le point de rupture vers quelque chose comme 1 000 euros par mois et par personne en province, 1 300 ou 1 400 euros par mois et par personne sur Paris. Alors, il faut bien comprendre que du point de vue des économistes, ça peut surprendre, parce que si vous voulez, à l'échelle planétaire, une personne qui a 1 000 ou 1 400 euros de revenus, en fait, n'est pas une personne pauvre. Et encore une fois, et au risque de passer pour un sale type, je suis désolé de le dire, mais les gens qui sont pauvres en termes absolus au regard des normes valant à l'échelle planétaire, en France, il n'y en a pas beaucoup. Simplement, ce qui se passe, c'est que dans le système français tel qu'il est, compte tenu de l'envolée des loyers, compte tenu des coûts de transport, compte tenu aussi des normes culturelles qui ont évolué et qui font que aujourd'hui, on considère que les restrictions, ça commence quand on ne peut pas avoir le dernier modèle de téléphone portable. Eh bien, forcément, le seuil à partir duquel la pauvreté est fortement ressentie est nettement plus élevé qu'il y a plusieurs générations ou dans d'autres parties du monde. Il va falloir en tenir compte et il va falloir essayer de réfléchir à des outils de mesure de ce seuil de pauvreté ressenti en fonction du vécu concret des diverses strates de revenus et de patrimoine dans divers contextes infrastructurels et culturels. L'enseignement pour les sociologues, c'est qu'il faut maintenant réinterroger complètement les études sociologiques en France. Il faut en finir avec la surfocalisation sur les banlieues. Ça fait 30 ans en France qu'il y a un nombre incalculable d'études sur les banlieues. Pendant ce temps-là, la grande majorité du pays n'a pas été sérieusement étudiée. Ça fait 30 ans que, en France, la sociologie française ne questionne pas le vécu concret, pour dire les choses simplement, des petits blancs, des blancs pauvres. Eh bien, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes explose à la gueule de la classe dirigeante française. Et il serait temps de s'y intéresser parce qu'il serait temps de se souvenir que ce pays reste majoritairement blanc et majoritairement peuplé par des gens qui n'habitent pas dans banlieue parisienne. Et ça nous amène à un point explosif, mais moi je vais appeler un chat un chat, je pense qu'il est temps de lever la chape de plomb sur la question raciale. Ça fait 40 ans que dans ce pays, on nous explique que poser cette question, c'est être raciste. Il n'y a rien de plus stupide que cette façon de voir les choses. Personnellement, je ne me suis jamais considéré comme un raciste, au sens où je n'ai jamais considéré que je pouvais en quelque sorte quantifier le niveau d'humanité des gens en fonction de la couleur de leur peau. C'est une attitude qui m'est fondamentalement étrangère. En revanche, j'ai toujours considéré qu'il fallait avoir le courage de regarder précisément la question raciale, de la poser vraiment. Parce qu'une question qui n'est pas posée vraiment, qui n'est pas étudiée vraiment, qui fait l'objet d'anathèmes idéologiques dans tous les sens, est une question qui n'avance pas. Maintenant, il est temps de regarder cette question sérieusement, il est temps de se poser sérieusement la question de la manière dont se développe un jeune subsaharien, de la manière dont se développe un jeune caucasien, de la manière dont se développe un jeune est-asiatique, et de se demander si c'est une bonne idée de leur faire suivre la même scolarité, au même rythme et aux mêmes âges.
Tant pis si ça déplaît à ceux qui n'arrêtent pas de prôner la diversité tous azimuts, mais qui refusent de la considérer en pratique. On n'en a rien à foutre. Maintenant, vu la gravité de la situation, que les idéologues laissent réfléchir calmement, tranquillement, les hommes de bonne volonté. Que cela soit dit et que cela soit compris. Enseignement maintenant pour les journalistes. Alors, je vais vous dire, les gars, si vous travaillez pour les grands médias, vous avez un agenda simple en 2019. Les mecs, il faut changer de boulot ou négocier une prime de risque. Je vais vous expliquer ce qui se passe, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles, quand vous allez dans des manifs de gilets jaunes, vous risquez de vous faire exploser la gueule. Il faut bien comprendre que depuis 40 ans, les médias en France nient l'être d'une grande partie du peuple français. Les médias en France, c'est des mecs qui, depuis 40 ans, expliquent à une bonne partie du peuple français qu'il n'existe pas, que c'est normal qu'il ne soit pas représenté au Parlement de son pays, que c'est normal que personne ne s'intéresse à lui, que d'abord il n'a vocation qu'à crever et qu'il devrait être bien content qu'on le laisse crever dans le confort, car de toute façon, l'avenir de son pays, c'est des gens qui ne lui ressemblent pas. Ça fait 40 ans que ça dure. Le résultat, c'est que les médias sont devenus le symbole de la négation de l'être français. Or, le petit problème, c'est que quand vous êtes devenu le symbole de la négation de l'être de quelqu'un, le seul moyen pour ce quelqu'un de se redonner un être, c'est de nier la négation, c'est-à-dire de vous nier vous. Et c'est comme ça que vous êtes vu, les gars, quand vous allez couvrir des manifestations de gilets jaunes. Vous êtes le symbole de la négation de l'être de ces gens. Par conséquent, vous êtes en danger quand vous êtes en présence de ces gens. Et personne ne pourra garantir votre sécurité. Bien évidemment, les journalistes qui sont envoyés couvrir des manifestations ne sont pas responsables de cette situation. Je ne vous mets pas en accusation, vous, personnellement. Vous n'y êtes pour rien. Vous êtes généralement des pigistes, payés au lance-pierre. C'est clair que ce n'est pas Madame Routel-Krieff qu'on va envoyer couvrir les manifestations de gilets jaunes. N'empêche que quand les gens vont vous regarder, ils vont voir Routel-Krieff, et ça, c'est très embêtant pour vous. Et puis, il y a aussi un autre phénomène, si vous voulez, c'est le symbole de Frankenstein. Ça fait 40 ans que les médias dressent les gens à des comportements bas, à des comportements stupides, à des comportements bestiaux. Il faut quand même bien dire que dans l'ensemble, les médias ne font rien pour tirer les gens vers le haut. Les médias, c'est le monde de Cyril Hanouna. Les gens, même quand ils regardent ce genre de choses, si vous voulez, ils sont pas vraiment dupes. Ils se rendent compte, passez-moi l'expression, que vous leur chiez dans la tête. Et ils se rendent compte que vous les transformez en monstres. Les gens comprennent que les médias leur font du mal. Et comme le monstre de Frankenstein, à un certain moment, ils doivent détruire leur créateur quand ils prennent conscience du caractère monstrueux de ce qu'il a fabriqué. Et ça va vous revenir dans la gueule, à vous, journalistes des médias. Donc vraiment, agenda 2019, les mecs, changez de boulot ou négociez une prime de risque. Et encore une fois, je vous le dis sans agressivité, parce que j'ai parfaitement conscience, pour connaître moi-même un certain nombre de journalistes, que dans votre écrasante majorité, vous n'êtes absolument pas responsable de cette situation. Maintenant, enseignement pour les prospectivistes, c'est-à-dire les types comme moi qui essayent de faire de la prospective. Eh bien, je pense qu'il va nous falloir nous préparer à penser des temps à venir qui seront probablement très durs, et donc il va falloir nous réapprendre à penser hors du cadre, et donc il ne faudra pas hésiter à réinjecter de la futurologie dans la prospective, et en quelque sorte à laisser parler notre intuition, à imaginer des choses a priori inimaginables pour élargir le cadre de la réflexion. Bien sûr, on va se tromper. Bien sûr, plus tard, des gens liront nos délires et diront « Ah, quel idiot celui-là !» Mais en attendant, on aura fait réfléchir. Et finalement, c'est la seule chose qu'on peut faire et qu'on doit faire. Voilà, j'espère que cette revue d'actualité consacrée aux Gilets jaunes vous a intéressé. La prochaine vidéo est une note de lecture. Il s'agira d'une note de lecture d'un ouvrage américain datant d'une vingtaine d'années intitulé « The Fourth Turning », le quatrième tournant. C'est un ouvrage qui a, paraît-il, fortement influencé M. Steve Bannon. Et je vous dis donc, à bientôt !